Chers pèlerins, bonjour et bienvenue à cette célébration. Également à vous tous et toutes qui participez à cette célébration par le truchement de sel et lumière. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de M. Bernard Legault. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu si ce n'est notre propre refus. Sûrs de la miséricorde de Dieu, n'hésitons pas à lui demander de pardonner nos faiblesses. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. L'Écriture dit en effet, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, on nous prend pour des moutons d'abattoir. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus, Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu qui nous aime, agis pour moi à cause de ton nom,
ton amour est fidèle, délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux, au fond de moi, mon cœur est blessé. Dieu qui nous aime, sauve-nous. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Dieu qui nous aime, sauve-nous. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur, je le louerai parmi les multitudes, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Dieu qui nous aime, sauve-nous. Celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire : Va-t'en, pars d'ici, Hérode veut te faire mourir. Il leur répliqua : Allez dire à ce renard : Aujourd'hui et demain, je chasse les démons et je fais des guérisons. Le troisième jour, je suis au but. Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Maintenant, Dieu abandonne votre temple entre vos mains. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, l'Évangile nous donne à contempler le Christ qui marche librement et lucidement vers sa passion. Il ne se laisse pas détourner de ce qu'il a reconnu comme sa mission
et la volonté du Père. Et cela, malgré les hostilités et la perspective de la croix. Les pharisiens, en feignant avertir Jésus des intentions meurtrières d'Hérode Antipas, espèrent sans doute l'éloigner de la ville sainte où sa popularité grandissante auprès des foules leur fait ombrage. Le Seigneur n'a que faire des intrigues des hommes. Sa vie est entre les mains de Dieu son Père. Il est venu faire la volonté de son Père. Il chasse les démons, il guérit les malades. Ses actions prouvent qu'il vient de Dieu et agit en son nom. Jésus sait que le plan de Dieu se réalisera à son heure. Aussi monte-t-il à Jérusalem dans la pleine conscience de ce qui l'attend. Cependant, loin de s'apitoyer sur son sort, c'est sur la ville sainte qu'il pleure, comme une mère sur ses enfants qui courent à leur perte en refusant la main qu'elle leur tend. Jérusalem n'a pas voulu reconnaître l'envoyé de Dieu, temple véritable de la nouvelle alliance. Aussi le Seigneur abandonne-t-il ce temple entre les mains de ceux qui s'apprêtent à le détruire. Mais la mort du juste n'aura pas le dernier mot. Jésus ressuscitera et ce jour-là, les yeux des aveugles s'ouvriront pour accueillir le Christ vainqueur qui seul donne tout son sens à nos vies. Car si Dieu n'a pas refusé son propre Fils, s'il l'a livré pour nous tous, comment pourrait-il avec lui ne pas tout nous donner, dira saint Paul dans la première lecture. Et saint Paul nous rappelle également que ni la mort, ni la vie, ni l'angoisse, ni le danger, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, si ce n'est notre refus de nous confier à sa miséricorde et d'accueillir son amour. Le frère André ne cessait de répéter, « Voyez comme le Seigneur est bon. » Eh bien, ce matin, demandons à Dieu le don de l'Esprit pour discerner la volonté du Seigneur dans nos vies et suffisamment d'amour pour l'accomplir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres Seigneur, daigne accueillir cette offrande qui soit agréable à tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et la femme, et comme ils avaient mérité la condamnation, tu les as rachetés dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes enfants bien-aimés du Père. C'est pourquoi nous pouvons nous adresser à lui en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et que Saint-Joseph et Frère André vous protègent tout au long de cette journée et vous gardent dans la paix et dans la joie.